La supervision de l'opération est le but de la descente du ministre de l'Élevage et de Productions Animales, Abdrahim Awad Atayib, à Hati. Ce sont au total 1303 sacs d'aliments composés de tourteaux, des graines de coton et des sons de maïs qui seront distribués aux éleveurs les plus nécessiteux de la province. L'objectif de cette opération de distribution est, selon le ministre Abdrahim Awad Atayib, de pallier au problème de sécheresse suite au manque de pluie dans les provinces. Le président de la République nous a donné un fonds et nous avons eu au total 6400 tonnes d'aliments bétail. Et donc nous sommes venus hier dans la soirée voir la distribution qui est en train d'être faite à Mbassatna et nous avons passé la nuit ici pour venir voir superviser au moins ce qui existe. Le gouverneur de la province du Bata, Jimta Benderkon, s'est réjoui de cette descente du ministre et de cette opération qui vient sauver le cheptel qui place le Bata au rang de première province en matière d'élevage. C'est grâce à ces tournées la dernière fois qui a permis de constater sur le terrain la souffrance des animaux. Et ça, c'est aussi l'avantage du déplacement des membres du gouvernement. Vous voyez, ça, c'est le résultat auquel nous sommes arrivés. À noter que le ministre a insisté sur la transparence dans la distribution et le respect des critères d'éleveurs concernés.